Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog d'une semaine, les weekly vlogs, ce qu'ils appellent sur YouTube. Ce qu'on va faire pendant cette semaine, je n'en sais rien. Écoutez, de toute façon, les jours, je les prévois au jour le jour. Donc on verra ce qu'on va y faire. Je pense pas filmer toute la semaine nos journées de travail, parce que ça va être chiant. Voilà, juste là, aujourd'hui, bah, on est lundi. Et malheureusement, le lundi, bah, on bosse. Là, il est déjà 18h. On s'est réveillé, il était 15h. Un lundi, oui, mais me jugez pas, nous on bosse la nuit, ok? Et du coup, la nuit de dimanche à lundi, on a bossé aussi. On n'est pas allé se coucher avant 9h, ok? Donc voilà, ça excuse le truc. Là, on va aller manger du coup, et puis ensuite on va rentrer, on va préparer toutes les box, etc., à envoyer nos box mensuelles, parce que là on est lundi, donc va falloir qu'on les envoie. Et puis voilà, et puis je sais pas, et puis on verra bien. Bon, je me dépêche, faut que j'aille aux toilettes, et puis faut qu'on aille au restaurant. Voilà. Bon, et ben on a enfin fini de remplir toutes nos boxes. Alléluia, et attention à l'envers du décor. On a bien bossé, on a bien mal au dos. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout fermer, mais je pense qu'on va aller manger vite fait avant parce que là, on a la dalle. Vous êtes tellement nombreux à tout le temps me demander des tips pour apprendre le coréen. Aujourd'hui, j'ai un bon plan pour vous. Vous savez que j'ai étudié le coréen à la fac directement en Corée, et ce qui nous faisait vraiment évoluer, c'était pas tant les révisions, c'était surtout l'immersion. Le fait qu'on ne te parle qu'en coréen et que tu n'entendes que du coréen encore et encore et encore, ça conditionne ton cerveau et ça t'aide à retenir tellement plus vite comme un enfant qui commence à apprendre une langue au final. Et cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. J'ai toujours rêvé de dire ça à mon premier sponsor YouTube. Rosetta Stone, c'est une application très intuitive et immersive qui vous fait tout travailler. L'écoute, l'écrit, l'oral, la lecture et même l'accent du coup. En plus, moi je vous en parle pour le coréen, mais il propose 25 langues différentes. Moi j'utilise pour le coréen et j'aime beaucoup, et un des exercices que je préfère, c'est l'oral. On vous pose une question, on vous montre une image et vous devez donner votre réponse à l'oral grâce à la reconnaissance vocale. Et ça c'est vraiment top pour l'accent, parce que ça peut tout changer dans la compréhension et le sens d'une phrase, surtout en coréen. Je change de caméra 2 secondes, la qualité doit être bien bien pourrie, mais faut que je vous montre. 30 살이세요. 몇 살이세요? 35 살이세요. Est-ce que je peux flex ou pas? En fait, c'est ça, le fait qu'ils appuient tellement sur l'immersion, comme quand j'étais à la fac, genre sur place en Corée, et je sais qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir payer 5000 balles pour pouvoir étudier 6 mois à l'étranger.
Et ben là, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette application. Du coup, comme on est des petits rats, j'ai pu vous avoir une jolie petite réduction de moins 60% sur tous les abonnements, dont l'abonnement Lifetime, qui est un abonnement à vie sur toutes les langues que propose l'application, et c'est celui que moi j'utilise personnellement. Je vous mets du coup le lien en description et en commentaire épinglé, si jamais ça vous intéresse. C'est un investissement, je sais, mais malheureusement, apprendre une langue efficacement et correctement, surtout, sans investir un an, c'est compliqué. Donc si je peux vous avoir des petites réductions, merci Rosetta.97년 이후 2008년을 제외하면 항상 넘사벽일이었던 기업 바로 삼성. 한결편 It's free skin care. Et re-coucou. Bon, écoutez, je ressemble à rien, mais on fait ce qu'on peut. Il est 20h et on se réveille de notre sieste, là. Du coup, on a dormi un petit peu et je suis morte. Je vous jure, j'en peux plus. Il est 6h30 là, on est rentré il y a genre 20 minutes, j'ai pris une petite douche, mon copain il est parti au spa, j'ai un bouton là, je suis dégoûtée, c'est le stress ça, je suis crevée. Je sais pas si je vous ai montré beaucoup de choses, parce que du coup j'ai plus passé mon temps à bosser qu'à essayer de filmer, mais voilà, globalement vous voyez ce que c'est du coup que... notre travail de nuit. Et oula, j'en ai mis beaucoup trop. Ah, j'en ai dans mon œil. Oh là là, la goutte qui m'est tombée dans l'œil. Oh, mais j'aime pas du tout ce produit. Il pique les yeux. Alors là, si c'est pas fashion.
J'ai rendez-vous avec des copines là. J'ai une copine qui s'en va de Corée demain ou après-demain, je crois. C'est trop triste. Du coup, on a prévu de faire une petite soirée entre filles. Ça va être bien cool, sauf que Wendy est encore en retard. Voilà. Est-ce que c'est étonnant? Absolument pas. Je vous laisse admirer le bordel que vous ne voyez pas fort heureusement derrière moi. Ça me saoule. Je comprends pas comment je suis toujours en retard. Là, je suis en train de mettre la crête sur mes jambes parce qu'il est 16h55. J'étais censée partir à 5h. Et à 16h50, j'étais toujours dans la salle de bain en train de me raser les jambes. Voilà. Attendez, j'ai oublié le plus important. J'ai pas mis mes paillettes sous mes yeux. Très très important, les paillettes sous les yeux. Mettons des paillettes dans cette vie... Merdique. Bon, voilà, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres pour éviter d'avoir l'air, pardon, moins morte quand même. Mes cheveux, j'ai pas le temps. Franchement, je vais les laisser comme ça. De toute façon, c'est très bien là, non? J'aime beaucoup. Et puis voilà, et puis on va y aller parce que je suis méga en retard. Voilà, super. Je vous pose là vite fait pour vous montrer mon outfit. En retard, mais toute mignonne. Hello! La route à l'envers! Oh putain, je suis la dernière! Alors là, c'est pas du poulet qui coulait. C'est cool quand ça fait ça? Ah bah, ça va être super pour mon diet vlog. 얼어붙은 한강 뒤로 고양이가 걸어다닙니다. 꽁꽁 얼어붙은 한강 뒤로 고양이가 걸어다닙니다. 꽁꽁 얼어붙은 한강 뒤로 고양이가 걸어다닙니다. 꽁꽁 얼어붙은 한강 뒤로 고양이가 걸어다닙니다. Not too late to a baby, baby, baby. Yeah. Thank you. 안녕하세요. 괜찮아? Nose hair? Ah. Yep. Give me advertisement. Mama. I will show to everyone how you do your skincare, baby. I prefer the spray one. What my baby will use today? Never, 꿈에서까지도 원하는 걸.
This is Mr. Park trying to find a book he will never read again. No. I always read. Et ben on n'a pas dormi, encore, là il est 8h30 et on n'a pas du tout fermé l'œil de la nuit. Enfin si, il y a Juno qui a réussi à fermer l'œil pendant une heure et demie, et c'est tout. Voilà, moi pas du tout, hein. Je suis ravie. Et mes cheveux, dès que je dors par contre, du fait qu'ils soient courts, ils ressemblent plus à rien. Voilà, j'ai pas l'habitude. Du coup, bah, on va essayer de se préparer, on va essayer de sortir et d'entamer la journée. Et puis, on fera une sieste. Encore une fois, je sais pas quand. Quand on sera trop fatigué pour continuer de tenir, je pense. Ouais. When I'm in 너의 색깔은 blue 새벽에 떨어져 버린 루 하늘이 파란색인 요요 너에게서 I can see the last last night the last night the last night the last night 생각은 동전이란 같아서 뒤집어 생각하란 말에 머릿속을 돌아다녔어 오늘 어떤 면이 볼까 아, 이유 없이 찾아는 오지 마로 기지개 편 다음이 불을 뺐으니까 내가 꾼 꿈과 너의 꿈이 다르듯이 밤은 같지만 너의 밤은 어땠는지 이렇게 별이 많은 밤에 이 많은 밤에 수고했어 이 많은 밤에 이 많은 밤에 잊어버리는 마 소중할래 나 잊어버리는 마 Non mais s'il vous plaît regardez-moi les petites bottes de jardin. Moi j'adore, c'est trop mignon. Je vais arrêter de regarder tout ça parce que je vais avoir envie d'un bébé moi aussi. Allez hop, on arrête comme lui. Bon, on a les cheveux bien gras, la bonne dégaine. J'ai juste mis un petit nœud quand même pour faire un petit peu plus soigné et on est parti pour travailler toute la nuit. Oh.
Maestro.